Je joue. 3 secondes pour charger fucking Cyberpunk et la sauvegarde. Mais c'est pas ouf! Ça vous donne pas envie de, je sais pas, de dire le monde il est beau? Vous en foutez. Rien à foutre. Et en plus, hier, j'étais en train de jouer et j'ai pas eu le time. Je pouvais pas sauvegarder. J'ai dit, allez, on s'en fout, on va le faire avec le Xbox Resume. J'ai même pas sauvegardé. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah non, mais ça. Enfin, oui, c'est la fibre. Non, mais c'est pas mon ordi, gars. Il y a ma Xbox Series X qui est là. Je l'émule à travers mon. Je l'émule à travers le cloud, je sais pas quoi, tu vois. Et je peux jouer avec vous sur mon ordi sans bouger. C'est pas ouf ou pas? Mon ordi, il est à chier. Tu peux faire ça sur un ordi de base, tu vois. Allez, c'est parti. Est simple, tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors, Alors tu attends, prends donc en l'argent, c'est fait, simple. pour les gens qui connaissent pas, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là, C'est quoi l'histoire? attendez, je vais quand même vous donner un élément de contexte, sinon si vous commencez comme ça va être compliqué. Mais en gros, donc je suis un héros et on m'a donné un enregistrement. Donc je suis dans une réalité virtuelle, un enregistrement d'un braquage qui est là. Et d'ailleurs, JDC, JDR, mais je trouve que l'épicier de l'épicerie qui se fait braquer ressemble de façon suspecte à Gérald Darmanin, vous me direz. Et là, en fait, je peux éditer ils appellent ça une danse virtuelle, cet épisode de réalité virtuelle, pour observer tout ce qu'il y a autour et pour comprendre les éléments. En gros, je fais un braquage et à la fin je me fais tirer dessus. Mais qui m'a tiré dessus? Et bien ça, on va pouvoir le voir en éditant, comme quand on édite une vidéo en regardant les coins dans Blade Runner. Vous voyez, ben là on va la rééditer de la même façon. Alors lecture pause. C'est bon, Comment je peux faire? Attends. j'ai. C'est Voilà. bien vanne, hein? Eh ben, c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Alors. Vas-y, essaye. Régis, je m'en baisse. Rembobine. Donc je peux. Régis, tu Là, je m'en baisses rembobine, aussi. tu vois. Attention, je Vous avez t'attends. le son ou pas? Ou il C'est faut que je bon. mette plus Voilà, fort? super. Maintenant, essaie l'avance rapide. Bon, le plan est simple. Tu fais rien bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu quittes le cache, tu quittes le cache. Ok, tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement. Le son est Mais là, faible, je pour vais le le début, remettre. vas-y, Attendez, essaye. je vais le mettre un peu plus fort. Voilà, sinon vous avez les sous-titres, hein. Alors, on peut redémarrer. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spomar lui a donnée au début. Maintenant, scanne-la. Alors, on avance un peu. Merde. Excusez-moi. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques. Attends, Dans la DS, ça c'est psycho du studio. il me donne une arme. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas. Bon, ils nous fileront une rallonge pour un bon bout d'adrénaline. Alors, je comprends pas. Ah, attends. Il me donne l'arme ou pas? Ah, voilà. Vas-y. Voilà, juste là. Ok, c'est fait. Donc, on peut changer de couche. Alors, on peut éditer la vidéo, voilà. Donc là, je peux. Donc, c'est qui? C'est lui? Couche visuelle. Mode lecture. Ah! Ah oui, donc. Ok, donc. Mode d'édition, ok. Donc, si je fais ça, il se passe quoi? Faut que j'appuie sur quel bouton? Attends. Ah oui, faut que je la voie là. Voilà. Allez, parce que, en fait, c'était moi. Excellent. Là, en fait, je peux C'est bon, voir on tout passe à la autour. suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et des bruits de fond si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout, dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour Waouh. voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Donc là, Vas-y, on regarde essaye. l'audio. Donc là, on a un Parfait. bruit. Maintenant, tu devrais voir plusieurs Ah bah signatures c'est sonores normal. dans le magasin. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Est-ce qu'on peut rentrer ou pas? Non. Je peux rentrer? Non, pas encore. Donc là, on en envoie une, c'est sûr. C'est un... Allez. Putain, t'es chier! Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. Alors, t'en dis quoi? C'est incroyable. Sérieux, on aurait dit que ça se passait à côté de moi.
C'est comme ça que les implants d'enregistrement de DS fonctionnent. Ils captent tout, tous les éléments de fond. Puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles. Continue de jouer avec les sons, explore un peu. Quand on aura marre, on passera à la suite. Là, on entend quelque chose ou pas? Ok, alors attends, on va avancer un peu, je sors du mode d'édition. Dans la DS brute, tu peux parfois analyser des couches en plus, des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge. Donc dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Terrible. Maintenant, on attend que le Zig frappe le pommard au comptoir. Alors c'est parti, lecture pause, on va même avancer un peu. Couchez-vous, terre! Attendez. Je vous vois les... J'aimerais juste revenir en arrière. J'aimerais qu'on voit la tête de Darmanin. Mais... On dirait un peu Darmanin, non? Vous trouvez pas? Un peu du Sopt aussi. Ah merde, discussion, bien sûr. Il faut que je change. Est-ce qu'un modo peut changer le truc en cyberpunk? Ah, trop bien, merci pour le débrief. C'est qui est blessé? Elle? Attends, déjà, j'aimerais bien voir un truc. Ah, je suis en couche audio. On va changer de couche, voilà. C'est qui? Allez, on passe à la suite. Et lui, c'est qui? Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. Ok. C'est parti. Mode lecture. Fric! Vite! Je te jure que je te bute. Il est un peu Darmanin, on est d'accord. Éditeur, ça marche aussi? Tu l'as fait? Merci, Berwald. Oui, je vais. Allez, avant que je t'explose ta putain de tête! T'as vu ça? Il s'est fait abattre et il a rien vu venir. Ok. Ce qui sera pas ton cas. Et là, on en arrive à ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée? Ouais. Caméra de surveillance. Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. L'image arrive sur l'écran, derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin. Et scanne-le. Ok, donc on revient en arrière. Attends. Ok, il est où? On peut retourner encore en arrière ou pas? C'est ça? C'est quel écran? Ah, c'est celui-là. Incroyable, hein. Son propre Chumba l'a buté. Il avait sûrement préparé son coup. Une déesse dans ce genre, ça doit rapporter un paquet au marché noir. Ouais, on peut mener l'enquête sans bouger. En live, les fans de déesse sont prêts à payer Ruby pour ça. Voilà, si t'en as vu assez... Tu peux quitter. Wouh! Impressionnant, non? C'est dommage que la majorité des déesses qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Enfin bref, t'es prêt à mater ton enregistrement? C'est parti. Je sais pas. On peut faire une pause? Je me sens encore comme ce gamin, quoi. J'ai eu ma dose. V, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute, qui? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère. Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Eve. Oh. Evelyne? Je dirais que dalle de cette déesse sans T-Bug. Judy, s'il te plaît. Eve, elle veut laisser un runner se brancher. C'est quoi qui t'échappe là-dedans? Et merde. Qu'est-ce qui me dit qu'elle fera que se connecter à cet enregistrement? Moi, je te le garantis. Mais non, c'est un client qui me fait confiance. On s'est rencontré il y a 2 minutes. Aide-moi, une dernière fois. Je te promets que tout se passera bien. Après, comme prévu. Elle a un plan derrière la tête, je pense. Ok, Eve. Appelle T-Bug et on te fera plonger.
Salut V, quoi de neuf? Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. C'est une danse sensorielle. Le Konpeki? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un? Aucune importance. J'ai pas le nom de mes clients. Concentre-toi, j'ai besoin de ton aide. Je sais absolument pas ce que je vais devoir chercher une fois dedans. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Ça, ça me rappelle quand j'étais sur... Bien, j'entre. Telnet. Je vais recevoir ma demande maintenant. Ok, reçu. T'es prête? Millisecondes. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide et... C'est tout bon. Prête à danser. Envoie la DS, Judy. Ouh. Donc là, on va essayer de retrouver des éléments. Mailflow Telnet. Où suis-je? Est-ce que le jeu s'est planté? Ah non. Ok, V, on se concentre. Il faut qu'on trouve où Yorinobu garde cette relique. Ah donc là, je suis dans la tête de la meuf là. De Lizzie. Wow! T'es qu'un vulgaire boudillon de baisable, hein? Evelyne. J'ai senti sa peur. Mais elle a vite réussi à se reprendre. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour une minute. Tu devrais écouter cette conversation, V. Ça pourrait être important. Ok. Alors, hop. J'entends un ronronnement. Ventilation et clim. Sûrement des serveurs. Faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici. Que pour une minute. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt fixés. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. C'est quand même ouf. Il pourra vous expliquer les risques. Mon père est un vieillard aveugle et fatigué. Je pense que c'est possible de faire ça en vrai. Rien ne changera. Et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter ça. Sabro est un despote. Oh là là. Déconnecté de la réalité. Piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus. Eh ben un non. Monde qui n'a peut-être jamais existé. Il parle de son père là. Louis et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas prêt de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulières. Vous devez les respecter. T'as entendu? La doc de la relique doit se trouver dans le coin. Cherche-la. Ok. Donc on va changer de couche. On va essayer d'avancer un peu. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air un peu... Ça me passera dans un moment. Ok, déjà, est-ce qu'elle pourrait être là? Donc lui, c'est qui lui? C'est Saburo, non? Je sais pas son nom, mais bon, c'est pas grave. Là. Là, je suis... Attends, je suis peut-être en mode... Ok... Ok, attends, édition, ok, et là je change de, voilà. Qu'est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses à voir? J'aimerais bien passer derrière, parce qu'il se passe des choses là derrière, mais... Là peut-être, non. Et sinon peut-être là derrière. Mais je crois que je peux pas le voir. En fait on peut voir que ce qu'elle peut voir. D'accord. Ok, j'ai compris. C'est pas grave, est-ce qu'on peut avancer un peu? Je peux te donner... Alors. Restez friandis. On s'est bien amusé la dernière fois. J'ai une destination. Qu'est-ce que c'est ça? Julie, allez. Viens par ici. Une seconde. Je n'en prie, ça parfait. Alors là, si je vais là. Ah, très bien. Je peux voir ce que. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un flingue. Chargé, mais il y a le cran de sûreté. C'est bon à savoir. Une fois sur place, faudra pas oublier que ce crasher est là. Là, il y a rien. Ok.
Ah, attends, j'ai vu un truc. Voilà. Ah, il a ouvert le truc. Ah, voilà, je crois que je l'ai. Le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial. La relique doit être stockée dans un endroit très froid. Alors, la puce doit rester au congélo. Ouais, autrement elle pourrait se détériorer. Ok, active la détection thermique dans l'éditeur. On devrait repérer plus facilement où Yorinobu garde la puce. Alors, la couche thermique, on la change. Attends, merde. C'est là. Non, c'est là. Voilà, donc là on a quoi? Ça c'est chaud, super, lui il est chaud, c'est normal. Ça c'est moyennement chaud, on va revenir un peu en arrière. Donc là il y a du chaud. C'est des lampes, c'est normal. Ah, donc ça c'est quoi? C'est du froid ou c'est du chaud? On sait pas trop encore. Oh, attends, ça c'est quoi? Champagne et seau à glace, ok, c'est normal. Oh, du Donagi. On dirait que monsieur Arasaka avait quelque chose à fêter. Tu pensais vraiment trouver la puce là-dedans? Ça ouais. Risque pas. La température est trop basse, elle pourrait varier, mais bien tenté. Allez, reviens en arrière. Tu vois, elle va là un moment. Ah, on voit un truc là. Oh, regarde. C'est un frigo. Juste un frigo high-tech. Là. Ah. La température correspond pas à la doc, tu trouveras rien là-dedans. Et ça? Ok, et là, il y a des choses. Ah, enfin, je peux voir un peu des trucs là. D'accord, ok. Ah, il y a rien. Putain, j'y croyais au frigo là. Attends, ça, c'est pas un truc là, c'est juste une lampe. Ok. Attends, est-ce que peut-être qu'elle voit des trucs là à travers ça là. Faut que ce soit dans le champ de vision. Hein. Oh, et ça? Non. Écoutez ça. Pablo est un despote. Je la fais revenir tout au début. Hein. Regarde, il y a un truc là. Non? Lui, on le déteste. Hein. Je sais pas qui c'est. Attends, je vais juste passer en couche. Non, attends. Hop. Ah! Il a disparu. Lui là, c'est qui? On sait pas. Attends. Eh ben dis donc. Prudence conseillée, j'imagine. Ok, on va trouver là. Ah mais. C'est marrant parce qu'il y a une séquence. Mise en avant, c'est-à-dire. Ah merde, j'arrive. Ah! Ah! Bien, je capte la signature thermique. Ses caractéristiques correspondent à la doc. On est bon, on a tout ce qu'il faut. Yorinobu est là. Aucun doute. On l'a. Bien joué. Yes. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux quitter l'éditeur. Bon travail. Adam Smasher. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais, ça va le faire. Merci Lizzie. Merci Judy. Ah. C'est bon. A plus T-Bug. T'as fait du bon boulot. A plus. Mon critère pour savoir si les dialogues d'un joueur et d'un personnage de jeu vidéo est bien fait, c'est que quand tu dis quelque chose à haute voix, le joueur le dit juste ensuite. Tu dis waouh, c'est beau, et que le joueur dit le truc dit waouh, c'est beau, c'est super. Pour moi, c'est un bon signe. Ça sera comme si t'étais jamais venu. Merci Judy, qui a un sacré caractère. Et également un Garde-le. T-shirt incomplet. Je vais mettre ça sur l'ardoise dev. C'est un appareil portatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. J'ai une question, je voudrais savoir si sa salopette peut se mettre avec les deux crans. J'aimerais voir derrière elle. En parlant d'ennui, vous savez à quoi vous me faites penser? Vous me faites penser à deux morts en sursis.
Bah, je vais être gentil. Elle a un sale caractère, donc je vais être sympa. Avec la déesse, le boulot est presque déjà fait. Cette déesse va nous faire buter. Je plaisante pas. Si Arasaka apprend que vous l'avez, vous êtes mort. Et moi aussi. Ah ouais? Judy, détends-toi. Personne n'en saura rien. Tu parles. Evelyn, je t'en prie. Quand plus de deux personnes sont au courant d'un secret, vous savez ce qui se passe? À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors sois prudente. Je le serai. Et j'ai encore... Il y a un leitmotiv qui est intéressant, c'est que souvent ils parlent de la ville, tu vois. Genre la ville gagnée, la ville va t'enterrer. C'est... Et je trouve que c'est assez intéressant. Peut-être qu'ils auraient dû l'appeler Night City plutôt que Cyberpunk. Allez. Alors pour les gens qui découvrent Cyberpunk, je joue un macroniste. Ah ben je pourrais jamais voir... V, une seconde. Bon, je la remercie. Merci pour tout, Judy. Et t'en fais pas. Je sais ce que je fais. Alors ? Viens avec moi. Waouh, les serveurs. Je peux pas regarder les... Ok. Alors ? T'en dis quoi ? Bon. Et maintenant ? V. Fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. On partage la paye, toi et moi. Sans intermédiaire. Et... Sans Dex. Et non, je peux pas squeezer. Alors, en vrai, on me dit, genre, j'ai un agent, il me trouve un client qui va me donner 100 000 euros. Tu vois, genre, on va faire un Game of Roll. Un Game of Roll. Quel client est méga. Un Game of Roll L'Oréal. Tu vois. Et là, la meuf de L'Oréal, elle dit, j'aime trop Game of Roll, mais c'est 100 000 euros, on peut se les faire 50-50, tu as 50 000 euros dans ta poche, t'oublies l'agent. Tu vois. Qu'est-ce que je fais? Bah non, je peux. Non, mais non, c'est pas comme ça qu'on construit des choses. Pas question, je suis désolé. Le mec qui m'a donné sa confiance, je peux pas être comme ça. Comme choisissant. Il me fait confiance. Mais moi aussi, j'en fais autant là. 50%. Avec une somme pareille sur ton compte, tu pourras. C'est pas ça qui compte, c'est la réputation, la ta réputation extérieure. Plus personne voudra bosser avec moi. Pas question de baiser Dex. Non, Evelyn. Pas qu'une question d'argent. Je croyais que t'étais un merc, que c'était toujours une question d'argent. Je trahirais pas la confiance de Dex. Désolé. Bien. Oublions ça. Mais V. Quoi? J'espère que ton efficacité est à la hauteur de ta naïveté. Ouais. En cas de besoin, appelle-moi. J'espère que son portefeuille est à la hauteur de sa duplicité. Je vais t'envoyer mon numéro. Ok. Bonne chance. Allez, vas-y. Je dois voir deux ou trois choses avec Judy. J'aime pas la trahison, d'accord? Moi, je suis un gars honnête. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis un gars honnête, t'as compris? Honnête. O-N-E-T. Allez, on y va. C'est bien, j'ai levé les en faisant rien du tout. Salut les filles, ça va? Comment ça se présente, monsieur V? Ah ben, écoute mon gars. L'enregistrement qu'Evelyn a fait au Konpeki, ça valait le détour. Fantastique. T-Bug m'a appelé, elle fait travailler ses doigts de fée et le Flathead. Rien encore, mais je m'en occupe. On s'en occupe, on fait les choses une par une. On n'a aucune chance de voler la puce sans ce bot. Alors au travail, monsieur V. Ouais, arrêtez de me mettre la pression tout le temps. Les gens ils s'embrouillent tout le temps quoi. On peut sortir là ou pas? Ah c'est là d'où je viens. Ça va les gars? Ouais donne-moi un verre tiens. Salut. Meuf. Alors ça va comme tu veux? Ah ta boss elle a essayé de me faire trahir mon boss. Je fais quoi? Tu me donnes un verre? Quoi au menu? Putain c'est cher. Tout est cher. Tout est cher. Moi ça coûte ça. $360, j'en ai 600. Bah mon gars, tu te la gardes. Je vais y aller. Merci. Je vais y aller. Jackie Wells, qu'est-ce qu'il me dit? Ça va? T'en es où? Alors, t'en es où? C'est pas mal. En fait, quand Fredo, les bonnes affaires, il m'a envoyé un SMS, il aurait dit, genre, comment CV, tu vois? il écrit avec beaucoup moins de mots. Elle m'a montré une déesse de l'endroit qu'on doit visiter. Une déesse, ben tiens-moi au courant. Ben j'en sors là. Super. Salut les gars. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bug? Va voir les mignonnes à la porte. Elles vont s'en occuper. Non, c'est à propos de. Une amie. Elle travaille sur la 8e.
Putain, c'est joli ça. C'est hyper beau. Ah, c'est beau. Latex Fred. Vous voulez que je m'en occupe, les filles? Ok. Va dire à ton ami que Monsieur Latex lui fera plus de problème. Bon, c'est bon. Le problème s'est réglé sans moi. Parfait. Moi, je voulais. J'étais prêt à faire ça presque gratuitement. Hein. Salut, les gars. Eh, hey, joli chapeau, mon gars. Meuf. Alors, tente, oui ou non? Je sors plutôt. Voilà. Ça va, les filles? Vous avez passé une bonne journée? Ok. Ok. Quoi encore? D'abord surviendra le grand retour à la réalité. Ok, d'accord. Alors, c'est ma voiture ou pas? Je crois pas que ce soit ma voiture. Mais ce serait la voler que de la prendre, donc qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Je vais. Regardez les quêtes que je dois faire. Là, je peux monter de niveau. C'est qui ça? Regina Jones. Je pourrais aller la voir. Mais j'ai rien fait pour elle. D'accord. Ok. Et là, il y a quoi? Ok. C'est trop dangereux pour moi. Parce que je suis un nul. Des contrats. Sinon, il faut que j'aille là. C'est quoi? Ouais, mais... J'ai pas le niveau, là. Je suis pas bon, là. Ok. On va voir cette petite mission qui a l'air extrêmement simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait pas de mal d'avancer un petit peu dans notre... Qu'est-ce que j'ai de beau là? C'est quoi ça? Sable mouvant. Esquiver une attaque. Ok. Un brochage. Les hémorragies si j'en ai. Ok. La meilleure défense. Et sans précipitation. Ouais, on va prendre ça aussi. Voilà, très bien. C'est parti. Bon, c'est à 250 mètres, on va y aller à pied, hein. Pas la peine de prendre la voiture, qu'est-ce que vous en pensez? Putain, une Lexi... Oh, regarde, la voiture, elle a été de fond. Putain, elle est belle, cette voiture. Je peux la prendre, vous êtes à moitié dedans, mais... Oh, elle est belle, hein. Ah, voilà. Ils ont des passages piétons, vaut mieux les prendre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. No regrets. Elle est en tong. Putain, elle doit avoir froid. Je sais pas. J'aimerais savoir que la température qu'il fait serait pas mal. Ah, attends, on peut passer par là. Alors là, on a une meuf qui s'appelle Samantha Samu, c'est ça? Non, je vais pas la pirater. C'est quoi ces données? Ok, et ils sont combien, les gars? Il y a une agression en cours. Vous savez quoi? Je vais sauvegarder. Le macroniste que je suis va essayer de rendre le... C'est ma la première fois. Tu sais, je vais... C'est comme dans Retour à le futur. Non, c'est dans quoi? Non, c'est dans... le film avec Sylvester Stallone. Demolition Man. Je vais m'approcher et je vais dire... Lâchez vos armes. Sinon... Lâche ton arme. Lâche ton arme, sinon... Et là, je cours. Hop, ça a rien passé. Personne ne l'a vécu. Et je me cache. Génie, non ou pas? Ça va? Elle a lâché son hamburger, du coup. Merde. On peut appeler la police? J'ai agressé un gars, j'appelle la police. Merde. Où est la police? Ah merde!
Ah mais ils sont pleins. Vous me prenez pour qui là? Hein? Bande de fous. Voilà, excusez-moi monsieur. Eh, vous avez vu ça, comme je suis créatif. Il n'y a aucun problème. Ah, il y a un problème. J'ai un problème. Je pourrais sortir du véhicule. Ah, je suis mort. D'accord. Je me fais agresser. Bon, j'ai tenté. Je pense que je suis pas au niveau. Il me manque un truc. Si on pouvait sauvegarder dans la vie réelle. Alors, attendez. On va essayer d'observer la situation. De voir s'il y a un moyen. Donc là, il y a un gars, deux gars, trois gars, quatre gars, cinq gars. Ils sont six. Et je suis tout seul. C'est vrai que c'est. Ça semble mal parti. Sauf si je me mets là. Putain, je suis un génie. Allez. Je suis un putain de génie. Arrêtez d'agresser les gens. D'accord. Ok. J'ai dit que je faisais tout couteau, mais... Ah, mais attends, je sais. Je vais passer, genre... Voilà. Récupérer l'épreuve. Ok, je passe. On n'a rien vu, d'accord? Là, il a rien vu. Et si je m'approche tout doucement de lui? Je peux pas, genre, l'éliminer... J'ai rien fait de mal. Bon, attends, est-ce que je peux venir avec une voiture et tout écraser tout le monde, là? Il y a un moyen. Il y a moyen. Ça se renverse, ces machins, non? Ouais, ça se renverse. Ok, j'ai une idée. J'ai un plan. Je peux pas trop vous dire, mais il y a un plan qui se forme dans ma tête. Ok. Il faudrait une voiture un peu costaud. Comme celle-là, là. Elle est très bien. Ah merde, je peux pas la... Je suis tellement nul, je peux pas la hacker. Ok. Attendez. Bah dis donc. Police, je réquisitionne votre voiture. Ça va? Ah, je peux pas prendre le contrôle parce que je suis pas assez fort non plus. Bah t'as vu? Et regarde, je vais prendre le contrôle de la voiture et il me regarde et il me sourit. Il dit t'es qu'un gros nul, tu comprends pas? Ouais, et lui là, je peux ou pas, madame? Écoute, c'est pas génial cette voiture, mais j'ai un projet. Je vous ferai. Oh putain, les lances! Cet enfer! Je suis un thug! Ah merde! Ah, on pouvait pas défoncer la barrière, j'y croyais pourtant. Ah, ça on le sent mal! Ah merde, j'ai écrasé les otages, c'est pas grave. Attends, là, oulala. Ah, putain, les otages. Ah bah ouais, évidemment. Ah, la police arrive, d'accord. Non, j'ai rien fait là. Allez. J'ai rien fait d'illégal, hein. Alors c'est vrai que c'est pas propre, mais c'est ma première, d'accord? C'est comme les crêpes. La première fois que Batman il a sauvé quelqu'un, il s'est flanté, hein, j'en suis sûr. Elle fait quoi la police là? Vous êtes de la police, monsieur? Ah non, on dirait pas, hein. Ils sont combien? C'est pas possible, il y en a un million! C'est vrai qu'à coup de petit couteau, c'est compliqué. Il est où? Merde, j'entends un bruit là. Merde. T'es où? Il a disparu. Ah yes, ils se battent contre qui? Contre la police? Ah putain, enfin la police.
Non, c'est peut-être pas la police, vous. Ah, c'est les Mox. Eh ben, c'est super, les meufs. Bravo. Ça me fait plaisir. Vous avez fait du bon travail. Eh, c'est pas une mission que j'ai réussi dans les règles de l'art. Le couteau a peur. J'avoue, mon couteau n'est pas génial. Mais un jour, il y a encore des gens ou pas? Merde. Bah, de toute façon, maintenant, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? J'ai pas encore tout résolu. Pour l'instant, j'ai réuni les preuves. Qu'est-ce qu'il fait? Mais viens, au lieu de... On l'a dans le cul, bah ouais. Le mec, il est arrivé avec une Smart. J'ai pris la voiture la plus nulle. Un nouvel héros dans la ville. Son arme, la voiture. Ok, d'accord. Vous savez quoi? Je vais essayer de penser out of the box. D'où il me voit? Il fait chier. Il me voit de hyper loin. Je réfléchis à une approche. Il n'y a plus qu'un gars là. En plus, il est dans le feu là. Ok, très bien. Ça me plaît pas. Non, vous savez quoi, on va tout faire au... On va tout faire à la... S'équiper des gadgets de combat, non merci. Ah, la musique. Alors attends, je fais ça. Là il m'a vu. Il m'a vu. Il va se mettre là. Il va venir. Et moi je l'attends. Et quand il arrive, bam! Je fais pas de... Aïe, Putain, ma voiture là. Bah il est parti. Ah non, il est là. Allez! Ah putain, il a un katana! Trop bien! Trop bien! Je vais pouvoir upgrader mon stuff. Regardez-moi ça. Et maintenant. Ouh! Regardez-moi ça. Bon sang de bois! Bon sang de bois! Ouh. Regardez-moi ça. C'est qui le patron? Alors, elle, c'est une otage ou pas? Ah bon. Elle a été tuée par ces salauds. Hein. Alors, il s'est passé quoi, là? Donc en gros, c'est quoi cette conversation? Gakuto, ça me dit quelque chose. C'est dans Prison School. Starhul, t'as tout vendu. On s'est fait tellement de blé qu'on coule sous les eddies. Plus jamais on bouffera du scope. Et on devrait se faire des cadavres tachés de pisse. Oh, la vie est à nous, on va la baiser tellement fort qu'elle ne pourra plus marcher droit. Ma femme dirait beaucoup de problèmes dans ses propos, je trouve, au-delà du fait qu'ils ont pris des gens en otage. Je vais toper d'autres cams à écouler. À tous les petits tox de préparer le cache là. Même le mot tox, je le trouve un petit peu, mais bon. Ok. Bon, bah, c'était pas mal tout ça. Mais regardez-moi sur tout ça. Wow. Regardez-moi ça. Regardez mon look incroyable. Il est où? Non, je. Katana. J'ai quand même. Regardez. Regardez ça. Y a pas un nouveau justicier en ville entre nous? Allez, bien sûr, je prends sa moto. Yes. Oh là là, je suis tellement un voyou. Oh. Ah putain, la musique de merde. Alerte. Après, c'est voilà. Musique un peu new age, ça très bien. Oh, elle est smooth. Oh là là, elle est smooth la moto. N'ayez pas peur. Mais non, pas un terroriste. Un terroriste intellectuel tout au plus.
Oh là là. Elle est ultra smooth la moto. Hein. Incroyable. Alors, c'est derrière ce bâtiment quoi, ou je rentre là-dedans? Je me prends une photo. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce champion. J'ai pas vu l'animé, non. En fait, je vais dire un truc bizarre, mais j'aime pas trop le cyberpunk. Comme genre. Bon, je vais me mettre là et je vais descendre de ma moto. On va essayer d'observer ce qui se passe. Donc, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, moi? Ouais. Faut que j'aille chez un charcutoc. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais raconte. J'ai de quoi payer. Ok. Ok. Ça marche. De l'argent. Super. Qu'est-ce qu'on attend alors? Oh bah viens sur la moto. Viens sur la moto, mon gars. Alors on peut pas aller deux sur la moto peut-être. Oh putain, mais c'est pas vrai. Je peux pas monter sur une moto. D'accord. Ok, viens. Tiens, viens. Monte dans la voiture. Mais c'est ma voiture. Elle tombe bien, regarde. C'est ma voiture, le... Alors, t'es rentré ou pas? On va où, mon gars? Je t'emmène, tu m'emmènes où? On va où? Satisfaction garantie, mon cul. Écoutez-moi bien. Ouais. Écoutez-moi bien. Je t'écoute bien. Je vous jure, mon vieux. Achetez jamais les talons X. J'en avais pas l'intention, mais... Les talons X. Écoutez... Merci de pas vous moquer de moi. C'est vraiment sympa. Et pourtant, c'est pas facile. Allez vous faire foutre. Ah, des enfants. C'est vraiment pas de bol. Allez, les enfants. Avancez, putain, passez l'air dessus. Mais non, ça va. Il y en a pour une seconde. Coulons. Ah, tu me dis d'être coulons. Ah, mais ça brûle. Ah, putain. Coulons. Oh, merde. Qu'est-ce que je peux... Ma oh merde, putain! Il y a un million de boueurs ou quoi? C'est n'importe quoi! Oh non! Non! Oh. Va falloir faire le tour. Oh, saloperie de putain de bordel de merde! Vous êtes vraiment obligé de brailler comme ça? Vous réalisez à quel point ça fait mal? J'ai l'impression d'en manger un putain de taille-crayon! Eh ben, souffrez en silence, Choum. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort, non? Je suis mort de rire! T'inquiète, je vais te sauver, mon gars. Je crois. Y'a un autre charcutoc. Mais deux secondes, ça va le faire. Et voilà, c'est bon, t'es content? Je peux arriver plus tard, je vous appelle. Mais tu veux même pas me payer? Ça brûle. Popole en feu. Tout ça pour un pénis plus gros, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Avis à tous les sortants de SCPD. Un mandat était en compte de suspect accusé de crime organisé. Oulala. Ok, j'ai cru que c'était moi dont tu parlais. Ok, très bien. Je peux vous aider ou pas? Ça fait mal! Ça fait un putain de mal de chien! Donc là, il y a un charcutoc. On peut pas rentrer. Ah, c'est intéressant, il n'y a pas la même chose dedans et dehors. Ok, ça marche. C'est un charcutoc, mais pas pour moi, quoi. C'est bon, il va écrire jusque-là. Bref. Bah écoute, c'est cool, mais il m'a pas payé. J'ai l'impression d'être dans la vie réelle. Où t'as un gars qui a besoin d'un truc hyper urgent, tu le fais, et il dit bah j'ai pas l'argent. Ok, alors, bah c'est super mon gars. Trop bien, c'est quoi ça? Danger élevé, non. Pour faire des missions ou danger restreint. Danger très élevé, d'accord. Et là, il y a un petit... Il n'y a rien, ça a peur d'être dedans. Allez, c'est parti. J'aurais préféré une moto, mais bon.
Vous préférez une ambiance plutôt New Age ou plutôt Blade Runner? C'est la nuit. C'est pas mal la nuit comme ça. Ah, on est bien à Night City, non? Qu'est-ce qui se passe là? Une voiture qui est rentrée dans une autre? C'est pas mal, hein. L'ambiance là, elle est vraiment chouette. Hein. Alors, je n'aime pas Shadowrun. Situation hostile, ouais, non, mais c'est bon, j'ai déjà donné, c'est terminé pour moi. Là, je level. Remarque, j'ai un katana. Bon, j'ai un katana, mon deuxième objectif, c'est d'avoir un costume. Oh, l'ambiance, elle est incroyable. Passer par là. Attends, je regarde, parce que là, j'ai l'impression que je vais tourner dans un truc qu'il faut pas. Non, ouais, là c'est on va... Là, à part. Oh, tu sais quoi, je vais la laisser là, ma voiture. Ça a l'air d'avoir emmerdé personne, donc c'est cool. Je la laisse en plein carrefour. Bonjour madame, vous vous appelez Lila Govender, ça va? D'accord, ben, bonne journée Lila. Salut, j'ai un katana, ok. Ça va les gars? Agression en cours, où ça? Je suis désolé, mais justement, j'essaie d'éviter les endroits où il y a des agressions. Elle est là, l'agression? C'est eux là qui agressent, quoi. Procor, non, c'est un civil. Il agresse ou pas? Ah, il agresse. Ils sont combien? Et lui, c'est un pote à lui ou pas? Il y a juste un gars en fait. Merde, 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 c'est une agression. Oh merde. Oh putain, j'ai pas demandé à être là. Tu sais, je suis vraiment le gars. Il voulait juste aller où il est. Et là, il y a une agression. Oh non, 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 s'il vous plaît. J'ai pas envie de me battre. Non mais attendez. J'ai pas du tout envie de me battre. Hop, neutralisé. Et d'un. Ah ouais? C'est entre toi et moi? Et moi j'ai un katana et toi t'as quoi? Oh, je vois que t'as deux jolies motos aussi. Bon, ça s'est plutôt bien passé, non? Je crois qu'il y en a deux autres, mais ils sont où? Ah merde! Trop petit ton couteau! Oh là 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 là! Le problème, c'est que je vois pas mes points de vie, c'est normal? Complètement con! Wouh! Ils sont pas tous morts? Et dis donc, c'est pas mal, non? Oh là là. Oh,
En fait, j'ai kiffé de. J'ai kiffé d'arriver dans cet endroit. Et genre, je cherchais juste mon chemin. Et là, je vois une agression en cours. J'ai dit, bon, a priori, il se passe rien. Et là, tout d'un coup, il y a une agression et je me cache. Je sors mon katana, tu vois. Je trouve ça marrant. Ok, madame, je suis désolé de ce qui vous est arrivé. C'est vrai que j'aurais pu intervenir pour la sauver, j'avoue. Oh, ça c'est quoi? On dirait que c'est un charcutoc. Eh, mais attends, j'ai gagné de l'argent. Merde. La famille de Genki m'a écrit. En préparant le corps pour les funérailles, ils ont découvert que quelqu'un a piqué tous ses implants. Ah, donc en gros, c'est un règlement de compte. Il s'est passé quoi? Il y a un nouveau chargement. Ah, d'accord. En fait, le mec qui était là, lui là, il volait des implants. C'est un règlement de compte. Musique de merde. Tu vois, c'est quoi même? Vous savez ce que ça veut dire, règlement de compte? Non, ça aussi, je vais le prendre. Règlement de compte, ça veut dire... Je peux prendre le truc là-dessous? Ah, je l'ai décapité. Ah, c'est dégueulasse. C'était prévisible et dégueulasse. Je peux prendre sa tête ou pas? Ok. Et lui, c'est lui que je l'ai tué là. Ok, super. Bon, écoutez, c'est plutôt cool, hein. Ouais, ça veut dire, en fait, le règlement de compte, c'est quand il y a deux voyous qui s'arrange quoi. Et ça c'est la voiture de qui? Je me rappelle mon ancienne voiture. Oh, un petit quelque chose dans le coffre. Peut-être à l'avant alors. Ok, y a rien. J'aurais tenté. Peut-être que je devrais sauvegarder. Qu'est-ce que vous en pensez? La chanson Koshan en japonais? Elle dit quoi? Vas-y, traduis. Enfin, traduis en mettant des petits astérix pour les mots interdits. Ah, on va au caliente. Attends, je... C'est vrai que là, il faut regarder les trois dimensions. Ça va, mon gars? Il est bon ton hamburger? Tu sais... Attends, tu t'appelles comment déjà? Moyenda. Moyenda, j'ai tué des gens aujourd'hui. Et c'est même pas moi qui... Enfin, si un peu, mais... Enfin, c'est pas de ma faute, la vie, elle est brève, quoi. Quoi? Night City l'a pris. 50 mètres. J'y vais, j'arrive. Ah, le Tengu. Très ambiance Amsterdam, hein. Ah, c'est lui? C'est toi la quête? Ils ne sont pas humains, non! Mais que sont-ils alors? Des reptiliens! Des reptiliens! On les reconnaît à leurs yeux bleus et froids. Ces créatures sont nées il y a des siècles sur la glace de l'Antarctique. Ok. Ils cachent leur vrai visage sous des masques en peau humaine! Ces serpents à deux visages! Vous croyez que la présidente Mayer, c'est l'une des leurs? Pourquoi tant de fusillades? Pourquoi tant de morts? Réponds par oui ou pardon? Que la police intervienne! C'est un jésuite. Quel humain condamnerait ses frères à tant de souffrances? Et pourquoi? Et d'où ces monstres proviennent-ils? D'Antarctique, tu l'as déjà dit. Aujourd'hui, ils se cachent dans la glace et la neige du pôle sud. Du pôle sud. Usurpant peu à peu notre couronne d'élus. C'est bien, en 77, il y a pas eu le réchauffement climatique alors. Il y a des millions d'années, ils ont évolué à partir des dinosaures pour devenir la première race intelligente et évoluée du monde. Et qui les a créés? Leur maître. Les scientifiques d'Alpha du Centaure. C'est bon? Je vous reconnais. Vous venez souvent ici. Je lis dans vos yeux que vous avez ouvert votre esprit à la vérité. Je peux compter sur un modeste don pour poursuivre ma mission. L'argent, ça coûte cher, mais ok. Allez, $100. Tu fais du bon boulot. Sers-toi de ça pour réveiller Night City. Merci pour votre dévotion. J'ai vu dès le départ que vous étiez un disciple de la vérité.
Moi, quand je donne, vous devriez se baisser, hein, personnellement, mais... C'est tout. C'est bon, la mission est terminée. Ouais, c'était pas compliqué. Moi, je voulais juste lever les. Hein. Putain, mais gars, achète-toi un pantalon. Ok. Donc, si je comprends bien... Ça, c'est rubis sur long. Je peux pas le faire tout de suite. Là, il y a Beat on the Brats. Je peux pas faire tout de suite. Ça, c'est danger trop élevé. Ça, on sait pas ce que c'est. Contrat. Ok. Et là, cyberpsycho. Mais le cyberpsycho, c'est un peu costaud. Bon. Ah, ok. Là, c'est pas danger élevé. Allez, on va chercher ce contrat. Ah, mais je comprends, en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. Il s'est passé un truc. Hey, qu'est-ce qu'il y a de bleu là-dedans? Ce serait bien que je trouve un endroit où vendre mes affaires aussi. Oula! Quelque chose a explosé pas loin et... Ça fait trembler ma... Un harnais tactique. C'est vraiment le truc... Je vois exactement qui dans mon entourage pourrait porter un harnais tactique. Et dans quel type d'événement? Je crois que je peux passer là, non? Pizza Padre. C'est ouvert? Ok. Salut Dark Matman. Vous appréciez toujours ces streams? Oh, regarde, attends, est-ce qu'on peut monter là? Non. Ah merde, on peut pas traverser? C'est une voie sans issue. Merde. Ok. Merci. Ouais, on peut faire ça. Waouh. Maintenant que je suis là, je fais quoi? Y'a rien là. Y'a beaucoup d'endroits un peu secrets dans le jeu. Mais c'est plutôt cool. Le mec qui marche, il a une réalité virtuelle quoi. Peut-être qu'il joue à Pokémon Go du futur hein. Je suis en train de m'éloigner de l'objectif, mais bon. C'est la nuit, je suis dans Night City. Allez, on tourne. Ah, des grands bonsaïs. Bon, d'accord. Je suis en train de réfléchir à... Soit je me fais attaquer, je sors mon katana. Je me fais attaquer, je sors mon katana. Tout va bien. Est-ce que c'est là que je dois aller ou pas? 150 mètres, c'est loin quand même. Faut que je descende, c'est ça? Bon, bah on va descendre. S'il faut descendre, je descends. Mais là, c'est quoi? Un centre commercial? Je me sens un peu oppressé là. Il n'y a personne. C'est bizarre, non? Une casquette de pilote. Tell me I'm cute. Ok. Paste, thermal paste applicator. La musique là, elle est en train de me dire c'est un traquenard. Et là en plus je sauvegarde. Le saviez-vous dans Ultima 7? Quand tu sauvegardes, il dit j'ai un mauvais pressentiment. Ah, c'est un braquage. Un racketeur. D'accord, il est tout seul a priori. Bon, gars. Mais non, il est pas tout seul. C'est pas grave. Quoi? Allez!
Je me suis fait bolosser par un petit tabouret là. Allez. Allez, je voudrais bouger là. Il est encore vivant le gars ou pas? Bon. Bah je te prends ton pitoro et ton kumquat. Un tantôt tiens. Ah, un tantôt. C'est un truc de belge ça. Oh, j'ai pas voulu te découper en morceaux. En tout cas, je suis couteau only, comme vous pouvez voir. Oh, peut-être que je vais pouvoir prendre ce costume. Ok, couteau ensanglanté. Bon, c'était pas mal. Petite brochette, non? Je n'ai fait que mon devoir. Qu'est-ce qui se passe? Popol en feu. Quoi? Ah, bah tiens, il va me payer? C'est moi! Oh, yes, il me paye! Type qui avait l'entrejambe en feu. Ouais, si vous voulez, ouais. Bref, j'appelais pour vous dire que j'ai transféré les fonds. Je suis sur un tas de cadavres, mais ok. Merci. Non, non, merci à vous. Hey, sans vous, je... Ça... Wow. Pas de soucis. Bonne chance, Don Juan. Putain, très bien, sympa. Super. Hyper content. Bonne surprise, hein. Dans la vie réelle, on voit qu'on est dans un jeu, dans la vie réelle, il faudrait faire deux relances. Ok. Ah yes, je peux vendre des trucs là. Oh, trop bien. Alors, j'ai pas besoin de ça. Ouais, ouais. On s'en bat les couilles. Ok. Je peux vendre quoi? Attends, je peux vendre la camelote aussi. Pour 12$, super. Waouh. Et donc ensuite, j'ai quoi? Est-ce que j'ai un costume ici? Ah, je peux vendre mes vêtements portés. Incroyable. Casque modulaire. Veste de voyou. Non, cette casquette est nulle. Quoi, l'objet est équipé? Non. Bon, je comprends rien. Je comprends rien, mais j'ai vendu des trucs. J'ai gagné 600$, c'est pas mal. Là, tout le monde s'est cassé. Alors, il est où mon contrat? C'était pas ça? Ouais, il se passe quoi? Salut, V. J'ai un ami dans le besoin. Il veut récupérer un œil qu'il a perdu aux cartes. Ok. Un implant, je veux dire. Ça devrait être de l'argent facile. Tu marches? Voilà les infos. Alors, c'est quoi les infos? Ça se passe où? C'est là? Alors, donc il se passe quoi? Un vieil ami m'a appelé, Jacob Lamb, un réalisateur, un vieux de la vieille, un ancien réal. Il a pas mis les pieds sur un plateau depuis Bushido X a perdu plus d'un milliard. Ah oui, Bushido 10 en fait, j'ai vu les affiches. Jacob gagne sa vie en jouant aux cartes, il a joué à un casino illégal, ça se présentait mal, au lieu de se lever de s'en aller, il a décidé de rester jusqu'à se refaire. Il a perdu son argent, son alliance, ses optiques. Maintenant, il veut revoir son implant. D'ailleurs, tu le récupères, c'est ton problème, pas le mien. Mais il l'a perdu réglementairement, ça me semble pas une... Ça semble pas... Excusez-moi, hein, je... J'ai un contrat jusque-là, là. Ah, c'est lui, c'est ça, et ça c'est quoi? C'est autre chose. Ah, bah, il est à côté, le contrat, parfait. Donc c'est là qu'il faut aller, c'est ça? Cette voiture, elle est à qui? Elle est belle. Waouh, je peux entrer dedans ou pas? Waouh. Oh là là, je suis dans le futur là. Incroyable. Oh là là, elle est tellement smooth. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, j'adore là. Je vis un grand moment. Attends, on va se mettre prêt à partir. Au cas où ça chauffe. Putain, elle est géniale cette voiture. Il y a un truc dans le coffre ou pas? Non, c'est pas le coffre ça. Ok. On peut cacher des trucs dedans, cela dit. Alors, c'est là que ça se passe, c'est ça?
On va essayer de repérer les lieux d'abord, si ça vous va. On va sauvegarder. Ok. Alors, on va regarder un peu. Il y a quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est un... C'est de la vodka. Donc là, il y a un gars qui est là. C'est qui, elle? C'est des racketeurs. Ok, eux, c'est, mes... c'est les méchants de l'histoire. Ah putain, il y a un racketeur là aussi. Tout va bien, je me casse. Ok. Et je crois voir que on peut... Salut, comment tu t'appelles? Kennedy? Kennedy. Kennedy. Ah merde, il y a encore des racketeurs là, mais c'est pas possible. Putain, mais le quartier quoi, il craint grave. Bon. Ok. Ok, j'essaie juste de... Voilà. Merde, j'ai essayé de faire un move un peu stylé, mais... D'accord, bon, on n'y arrivera pas. Sauf si je fais venir ma voiture là. Bon, ok, c'est un peu over the top. On va essayer de passer par là. Ah oui, on peut passer par là, tout à fait, non. Pas trop. Je sais pas trop, on va voir. Ok. Ah non, je peux pas. Ok. Bon, j'ai tenté, d'accord. Je sais que je pourrais rentrer. Ok, on va essayer une autre technique. Je suis la nuit. Je suis Batman, vous comprenez? Il est en train de dormir là en plus. Ah, il est en train de téléphoner. Ah, mais attends. Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment on fait pour exécuter? Voilà, vas-y, fais-le. Va chercher. Va voir. Et une personne sans rien faire. Bon, ça, mon opération infiltration marche plutôt bien. On peut pas pirater les caméras pour les voir ? Un peu stressant le... Petite musique sympa d'infiltration. Oh merde. Elle va se retourner ou pas, vous pensez? Oui, elle se retourna. Je suis vraiment le noob, hein. C'est-à-dire vraiment, je suis le, on me donne un contrat et j'ai vachement peur. Voilà. Vite, on change de ville, je disparais. Techniquement, regarde, si je vais là, je fais rien de mal. J'ai le droit d'être là. Par contre, est-ce que je peux distraire les ennemis là? Je peux rien faire avec cette porte, je peux pas l'ouvrir à distance. Ah mais attends ça. Vas-y. Ouais, elle est là. Va voir meuf. Voilà, c'est ça, va voir. Y a un bruit là. Hein? Boum. Fait de brève. Alors, bon écoute ce gars, je vais te prendre ces 0$ là déjà, ok, pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards, hein. Une peinture abstraite aussi, pourquoi pas, et donc je suis dû chercher quelque chose. Oh mais trop bien. Allez, on va se connecter. Ah, j'ai pas assez de puissance informatique, c'est pas grave. J'ai le droit d'être là. Non, c'est pas du tout un cadavre, je n'ai tué personne. Tiens, c'est quoi ça? Des exo-rangers. Forcé. Je pourrais le forcer, mais déjà il y a quoi? Merde, attends, oulala. Il y a des gens à l'intérieur ou pas? Bon, on va forcer, juste pour voir. Ah,
Ok. C'est là-dedans qu'il y a l'œil. Jupe formelle, 0$. Il est où l'œil? L'œil est où l'œil? Ah, il est là. Les gars, c'est pas beau ça? On vient pas de faire un truc genre sans tuer personne, sans haine ni violence? Bah voilà, c'est tout. Tu sais, Hustler, peut-être je suis rien pour toi, mais aujourd'hui j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Et je me casse dans une super voiture. Oh là là, la vie. Ah, il faut que je fasse quoi? Il faut que j'aille rendre l'œil. Non, non, la meuf dans le frigo est pas morte. J'ai appuyé sur Y. Ouais, bah écoutez, ça va. Ah, je vois que la vie a repris son cours rapidement ici, hein. Elle va me dire, waouh, t'as tué personne? Ce serait trop bien. Tout est rentré dans l'ordre. Jacob te remercie sincèrement. Il m'a aussi dit que... qu'il garderait un œil sur ses implants à la... Trop drôle, trop drôle. Ah, elle m'a pas dit merci, quoi, mais bon. J'ai tué personne. Aïe, 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 aïe. Ah d'accord, ça mène à une voie sans issue. Ok, pas de problème. J'adore, ce sera ma nouvelle voiture désormais. Oh là, en plus la musique. En fait, ils auraient dû faire peut-être une ville un peu plus petite. Et un truc dans l'espace, tu vois, sur une autre planète, ce serait chouette. Oh, j'adore. Alors attends, on va où là? Il nous reste quoi à faire de beau? Pour notre carte. Ah, j'ai monté d'un niveau. Cyberpsycho, moi je veux bien, mais pff, les cyberpsychos, ils sont violents, quoi. À moins que j'arrive à le neutraliser sans problème. Danger élevé. Là, il y a un cyberpsycho. Tu sais quoi, les cyberpsychos, on se les garde pour un peu tout à l'heure. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre sinon ça, là. Danger élevé. Danger élevé, ok. Alors, il faut aller là, quoi. À moins que j'aille là. Genre, je traverse, parce que c'est là. Ça, c'est quoi cet endroit-là? C'est Japantown. Normalement, je dois aller chercher de la thune à Japantown, quoi. On va essayer d'aller à Japantown. Et je vais monter de niveau en attendant. J'ai un point ou pas? Ça se passe comment? J'ai un point d'avantage disponible. Bon, on va continuer à faire ça. Voilà. Je suis au max. Oh là là. Ah, attends. C'est sur ma... Non, il faut que je prends la première à... Prends la première à gauche et après je prends la première à droite. Alors... Mini pause parce que il est 20h et j'ai pas de nouvelles de Kratu. Je suis un peu inquiet, j'espère qu'elle va pas me dire que je suis à l'hôpital, j'ai eu un accident. Alors qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Excusez-moi. Hein. Est-ce qu'elle va bien? Ok, elle va bien. Tout va bien. Tout le monde s'en fout, mais moi, je m'en fous pas. Alors là, normalement... Ah, on peut pas passer? No entry, j'ai vu. C'est fermé? Attends, il se passe quoi? Et je vais me faire payer, là. Ok. Ah si, on peut, alors. Lui, il passe. Je passe, je suis là. D'accord. Ok, bah y a pas de choix, on va rejoindre notre ami Jackie. C'est parti. Je suis pas sur la bonne file, je sais. Ça va.
C'est pas ma voiture en plus, monsieur l'agent. Alors. Et n'empêche, c'est fluide hein, pour du cloud. Pour du streaming plutôt. Double stream. La route est fermée, il faut aller un peu plus loin, je pense. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai même pas mis ma. Comment ça s'appelle la carte du jeu. Depuis tout à l'heure, je galère à aller aux endroits, mais. Bon, et j'ai pas mis l'interface avec les points de vie, mais bon, ça fait la. C'est l'immersion, on va dire. On va monter peut-être. Il va être comme deux ronds de flanc, mon petit Jackie. Là, je suis sur le périph', c'est ça? On peut sortir bientôt ou pas? Envie de sortir là. Ah non, je peux pas. Ah, c'est un gros périph', là. Un gros échangeur, hein. On va le sortir là. Non, je stream ma console. En fait, j'utilise une interface PC qui permet de streamer la console où que tu sois. Voilà, excusez-moi, monsieur. On peut sortir par là ou pas? Non. Ouais, on peut sortir par là, j'en suis sûr. Comment ça va, Night City? Écoute, ça va, j'ai tué personne ce aujourd'hui. Bon, ce ne sont peut-être que des rumeurs, mais il paraît que j'aurais pu prendre le métro. La ligne a été franchie et ça fait peur. Ah bon? Bientôt, on n'aura plus besoin de pot de vin pour manipuler les gens. Peut-être même qu'un jour, on saura plus j'écoute si la radio. On agit de notre propre chef ou si on est victime de contrôle subliminal. L'air. Des marionnettes. T'as elle est belle on la voiture quand même. On est arrivé là, Night City. Hey Jackie, regarde-moi cette bagnole. Elle a de la gueule, non? Ah, te voilà. Regarde là. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une Arch? Putain, elle est splendide. Une bonne affaire en plus. Je l'ai eu avec le fric pour Dorset. Je le trouve pas magnifique, mais bon, je l'apprends quand même. Pour ce petit bijou, même d'occasion. Bah, j'ai fait un emprunt. Oui, Pequeñito. Pequeñito. Mais ça valait carrément le coup. Donc on tue les gens la journée et on fait des emprunts le jour, hein, soir. Bon. Dex a déjà payé les Maelstromers pour le robot Corpo. Sauf qu'on peut pas être sûr qu'il soit toujours prêt à nous le donner. Il a payé d'avance? Irrolé. Bon, ça change rien. Allons récupérer ce robot. T'as réfléchi, t'as un plan? Je doute que ça se passe en douceur. Tu sais quoi? Je me casse. J'ai une autre idée. Je vais voir Meredith Staust. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, mais vous allez voir. Okay. J'ai un plan. À plus. Il est où mon téléphone? Meredith Staust, voilà. Ça va, meuf? Ici Stout. Commencez par me dire où vous avez eu ce numéro. Oulala, tu me parles bien, toi. J'ai aussi appris que vous aviez égaré un convoi. Toi, fais-le taire. Trache ce que tu sais. Bon, elle est un peu tortureuse comme ça, mais c'est un très bon colis. Pas au téléphone. On va faire un marché face à face. Un marché? D'accord. Première sortie sur la Skyline, en direction du DIN. Le déversoir d'orage sous le pont routier. Je te retrouve là-bas. Ouais, ça me dit pas grand-chose, mais ok, on y va. En fait, elle est juste à côté, là. Ça fait chier. Ah oui, on va peut-être passer par là. Très bien. Dérapage contrôlé. Désolé monsieur, je voulais faire un dérapage contrôlé.
Ok, il n'y a pas moyen de descendre. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, la police! Merde! Vous m'aurez jamais vivant. Elle est où la police? Elle est où? Elle est nulle part. Ils sont juste en dessous, bordel de merde. Ok. Je vais faire une entrée un peu étrange, mais c'est l'esprit des aventuriers, quoi. Salut. Tenez-vous prêt. Meredith Stout, c'est toi qui m'as appelé, je suppose? Je l'ai fait au plus vite. D'accord, bonne ambiance. Tu croyais pouvoir me faire chanter, connard? Fixez tes conditions! Elle me parle bien, là. Et puis quoi encore? Sans Meredith! Toi, tu la fermes! Ça vient cette putain de machine! Tout est prêt! Maintenant, tu vas répondre à mes questions honnêtement. Bien sans sûr, détour. Aucun problème. Est-ce que t'es venu seul? Ouais. Ouais. Y'a que moi. Et mon katana. Il dit vrai. Ah! Ouais, sacrés yeux, mon gars. Vérifier les environs. Maintenant, écoute bien. Cette petite merde d'Anthony Gilchrist, c'est lui ton contact? C'est lui qui a balancé des infos sur le convoi? Pas du tout. Je connais aucun putain de Gilchrist. C'est ce pauvre couillon là? C'est vrai, il le connaît pas. Enfin bon. Petite ambiance. J'ai attaqué quelques convois à une époque. C'est toujours la même histoire. J'ai jamais fini le jeu. Alors je pourrais vous aider à trouver votre taupe. Mais pour l'instant, ce que je sais vous avancera à rien là-dessus. Écoutez, le convoi, je sais où il est. Je peux vous aider. En échange, je demande juste un service. Je vous l'avais dit, bordel! Je vous l'avais dit, c'est pas moi la taupe, putain! Faites-le taire! Relâchez-moi avant que je... T'es où, Gilk? T'es où? Meredith, Meredith. Lui, relâchez-le. Ah, je veux savoir ce qu'il a à dire. Eh ben, on se détend. De toute façon, j'ai un katana. Je pourrais te couper les mains. Écoutez, je pourrais vous aider à colmater les failles dans votre sécurité. Vous évitez un nouveau fiasco. Non, ça m'intéresse pas. La machine capture est parfaite. On n'aurait pas pu se la jouer cool dès le début. Ferme ta gueule. Dis-moi ce que tu veux. J'ai besoin d'un robot. Un modèle Flathead. Les gars qui vous ont volé, c'est eux qui l'ont. Promettez de me laisser le robot et je vous dirai où ils sont. Tu as un plan les concernant? Ouais. Je pourrais leur prendre par la force. Mais ils attendent un paiement, alors je pourrais m'arranger. Je pourrais garder le paiement. Bien, partons sur la deuxième solution. Mais à une condition, tu paieras avec notre argent. Avec ton argent? Bah, si elle insiste. Quelle belle journée. Vous avez l'air sérieuse. Ça marche. Ah, d'accord. Ok, un éclat crypté. Avec cette puce, pour le reste, t'en fais pas. Si tu essaies de m'entuber, on se reverra. Salut, je suis un peu inquiété, je suis encore en stream. Quand tu viens d'arriver. Je serai pas à votre place. Cette salope est déjà morte. Elle va vous entraîner dans sa chute. Ah bah c'est ma voiture. Le monde est bien fait quand même. Bon. Écoutez, on a bien avancé aujourd'hui. C'est pas la première fois que j'ai joué au jeu, c'est je l'ai pas fini. Sinon, je pense que je jouerais pas sans interface. J'aurais quand même la vie et la carte, tu vois. Mais il est quand même très beau. Sachant que j'ai joué sur Xbox Series X, hein, sans mode ou rien. Est-ce que c'est des streams qui continuent à vous plaire ou pas? Là, on va récupérer le Flathead la prochaine fois. Mais j'ai quand même fait un stream là qui a duré 1h30. Donc, j'essaie de faire des streams d'une heure et demie de Cyberpunk à chaque fois. Ça vous a plu? On continue alors?
Non, je suis pas arrêté sur un fond d'écran, regarde. Hop. On pourrait faire ça d'ailleurs. Voilà, c'est beau quand même. Et merci beaucoup. Et ben on va continuer peut-être demain dans la journée. Ah, je m'y suis tellement pas intéressé. D'accord. Et Xo elle trouve ça bien. Les avis sont partagés. Ça tombe bien, j'ai gratuit de rentrer. J'ai envie de faire pipi. J'ai joué une heure et demie. Tout se rassemble. Tout est extraordinaire. Donc c'est cool. Demain on est jeudi. Et il va se passer quelque chose demain, jeudi soir, pour ceux qui sont restés. Excusez-moi. C'est qu'on fait un jeu de rôle qui se passe à Venise en 1270. Et vous êtes les joueurs. C'est-à-dire que vous avez tous une fiche de personnage. Et j'ai reçu un colis. Aïe, aïe, aïe. Donc vous êtes les bienvenus. C'est un jeu de rôle qui est en plusieurs parties. On est déjà à la troisième partie. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez jamais joué avant, vous pouvez totalement intégrer la partie. Vous avez chacun une fiche de personnage et on fait des jets de dés, etc. Venez avec votre bonne humeur et surtout l'envie de résoudre des énigmes. Et on est dans la Méditerranée, on va faire plein de voyages. Merci d'avoir été.